Pas un streaming. Voilà, tu vois par exemple, entre le premier purée et barre, tu vois, ça se montre à la jeunesse, je rencontre tous les élèves, on est en malade. Donc, toutes les émissions, radio, de 2005. Bon, pas le bac à la vie. Médias ou autre genre d'expression, il vit encore et il a commencé grâce à la passion des amateurs de la radio. Le streaming, ça c'est aussi c'est le duo qu'on prépare quand on fait ça, on l'a pas dans la radio. Il y a les questions principales qu'on se pose. Pourquoi la faire? Pour qui? Ou si les gens vont lire ou pas, etc. Si vous allez travailler sur l'actualité ou si vos critères, sur le web en fait, elles se basent justement sur ce rapport entre l'émetteur et le récepteur. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair. Vous allez en fait faire un programme. Il y a une charte. C'est à peu près l'édito. C'est une charte qui va être à la fois éthique et technique. Donc éthique, je sais pas, respect. Non, pas du journaliste. En fait, il faut savoir. Il y a aussi, on peut dire le partage, l'horizontalité, il y a pas, vous allez décider en fait, prendre les décisions tous ensemble de la même manière et on est tous égaux. Ça peut être une unité d'arrière ça, c'est pour la Marsa, donc ça va avoir une relation certaine que vous parlez en même temps, vous, l'invité, etc. en technique et médias, ou jusqu'à la présentation, on les invités de notre vie. Moi personnellement, je pense que maintenant, on est en 2014, tout le monde possède des smartphones. Parce que on a des émissions, quelques émissions en top. Oui. Pour vivre, ouais.
pas besoin de s'expliquer. Non, moi je t'explique, moi je t'explique. C'est ma propre, ouais. La continuité de cette radio. Parce que tout le monde peut faire un radio sur web avec à travers les donations de ses auditeurs. Ouais. Et encore une fois, le partage, l'amour de la radio et l'investissement personnel qu'on donne en fait dans ce projet de radio. Allez, c'est bon, Non, mais quand même, c'est... Non, aux États-Unis, il y a un problème énorme en Tunisie qu'il faut mettre sur la table un jour et discuter réellement. Vota avec, je sais pas, Carte Dina. C'est légal, vous pensez que les gens donnent de l'argent sur Internet? Non, pas du tout. Pas du tout, en fait. Il n'y a pas...